Salut, restez très attentifs si vous avez besoin à un moment donné de votre activité de créer des affiches publicitaires au format vectoriel, c'est-à-dire de créer des affiches aussi grandes que vous voulez, peu importe la taille et qu'il n'y ait pas de perte de qualité et de pixelisation. Ce logiciel, comme vous voyez, c'est un logiciel pour débutants mais qui permet de faire des choses professionnelles très facilement en seulement quelques minutes. Il y a plein de templates dans plein de sections différentes. Des boîtiers 3D, des couvertures d'e-book, etc. Je vous fais une démonstration complète de ce logiciel. Il y a un lien qui est dans la description si ça vous intéresse. Pour l'instant, on s'intéresse du coup aux affiches publicitaires. Si je vais ici donc dans Offline Banners, vous voyez que j'ai plusieurs templates comme ça. Si je sélectionne ici un des templates, admettons que vous vouliez faire une affiche qui soit extrêmement grande. Donc je zoome pour voir toute l'affiche. Vous pouvez absolument tout modifier ici. C'est un système de calque. Donc vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Vous pouvez changer les textes. Vous pouvez même les pivoter, etc. Donc vous mettez tout comme vous voulez. Vous voyez ici ce rectangle. Je peux le changer. On peut changer aussi cette image-là. Vous pouvez changer la couleur, par exemple, du rectangle ici. Vous pouvez mettre quelque chose de rouge, par exemple. Ici, vous pouvez changer le texte, la police. Vous pouvez absolument tout faire. Et si je veux agrandir cette image, je peux jouer tout simplement sur le canevas, comme ça. Et là, ensuite, il me suffira de prendre les éléments et de les agrandir tout simplement pour créer une affiche publicitaire qui soit aux dimensions que vous voulez, et ensuite vous pouvez tout à fait l'imprimer sans aucune perte de qualité. C'est ça la beauté de ce logiciel, c'est que tout est au format vectoriel. Donc il suffit de l'enregistrer ici au format ici en SVG et SVG to PDF, et vous pouvez l'imprimer ensuite très rapidement sans même avoir passé par un designer professionnel. Vous voyez, vous pouvez faire absolument tout. Par exemple, ici, vous pouvez rajouter, par exemple, des objets. Par exemple, voilà, un éclair ici que vous pouvez mettre comme ça. Vous pouvez le mettre comme ça. Vous pouvez choisir, par exemple, la couleur de l'éclair, si vous voulez, une couleur jaune. Bref, vous voyez, vous pouvez tout faire en seulement quelques minutes. Et on peut même créer des affiches publicitaires géantes à partir de simples posts de template Instagram. Si je clique ici, par exemple, sur Edit Design et que j'ai envie de redimensionner ça, par exemple, en 2000 par 2000, je clique ici, je rentre 2000 et je rentre 2000 pixels pour avoir une image encore plus grande. Et il suffit ensuite tout simplement que je sélectionne mon image et je la redimensionne comme ça en 2000 par 2000. Et comme c'est vectoriel, je n'ai aucune perte de qualité sur cette image-là. Il me suffit ensuite d'exporter en SVG tout PDF et je peux imprimer cette image à des tailles même géantes si je le souhaite. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, d'avoir une démonstration complète de ce logiciel pour voir tout ce qu'on peut faire, créer des boîtiers 3D, créer des couvertures de magazines, d'albums, des brochures. Vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez en termes de besoins en ligne, mais aussi tout ce que vous avez besoin hors ligne. Donc, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description et je vous fais une démonstration complète de ce logiciel. Donc, je vous dis à tout de suite pour la démonstration complète.